Benjamin Brossier qui a quasiment les trois premières têtes de série, hein, puisque bon, Benjamin Brossier, Stéphane vient de vous le dire, certes un petit peu diminué par, par une maladie, mais c'est quand même une grosse surprise. Et puis deuxième surprise, ça a été l'élimination aussi de Mirban. Les joueurs sont un peu tendus par rapport à ce quart de finale. 5 partout, service ces temps-ci, là, et il a effectué un gros travail sur son système de jeu et surtout sur les remises dans ce domaine. Donc disons que là pour l'instant il se procure de bonnes balles derrière son service. Voilà, là, très bel échange. Voilà. Avec 4 grosses têtes de série, on le disait, éliminées. Ça donne... Le coach l'a remué un peu parce qu'il s'est laissé dominer à partir de la moitié du premier set et là il va falloir qu'il combatte un peu plus. Quoi. La solide Simon. Arriver à faire ce type de faute. Benjamin essaie de gagner un peu plus de points dans ce domaine, quoi. Sinon, ce sera très dur pour lui. Très très bien. Et oui, qui est le préparateur physique, voilà, de l'INSEP. C'est ça. Un des préparateurs physiques. Ouais, avec Michael Simon. Et donc, maintenant, bon, il est... Match extraordinaire que vous aviez suivi, je pense, en direct. Voilà, balle de 7 pour Simon. Voilà, et il va chercher le retour dans le coup droit. Ouais. Tranquille quand même pour l'instant pour Simon. Il a eu aussi une petite surprise sur ce quart de finale, suivi de Jérémy Petiot face à Abdelkader Salifou. Et enfin la dernière. Et dans les points importants, c'est lui qui gagnait. C'est ce qui lui a permis de gagner ce match. Ah, celui-là, il est parti. Bien joué. Ouais, beaucoup plus incisif hein, depuis le début du troisième set. Ouais, il est plus agressif sur les premières balles. Oh, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Bien joué. Très bonne remise quand même. Exact. Ah, balle litigieuse. Elle était sur le côté à mon avis quand même. Voilà. Elle est pas loin, celle-là, elle est pas. Bah, ça aussi c'est bien joué, sans s'affoler, en construisant. Et ça aussi, ça fait mal à l'adversaire, quoi. Bravo. C'est fait. Troisième set pour Simon. La première et la troisième. Non, elle n'est pas bonne sur le côté. Ça part vraiment bien des deux côtés, sans effort apparent. Il sent qu'il y a vraiment un bon coup à jouer pour lui là. Le tableau est très ouvert et bon. Qui étaient les deux finalistes de la saison dernière, Tristan Flore, qui se remet. Voilà, tout qui a repris un peu à jouer. Il joue un quart d'heure par séance. Ouais, enfin, il a fait beaucoup de travail physique également, il n'a pas perdu son temps, mais bon, c'est vrai que sa blessure fait que pour l'instant, il est face à Orenbourg d'ailleurs. C'est ça. Ouais, superbe demi-finale retour, super finale retour, pardon. C'est incroyable parce que de perdre cette finale à 2 points, Ligue des Champions, aussi injustement, je dirais, parce que pour moi, il devrait y avoir un match d'appui, mais bon, le règlement fait. On se procure 7 balles de match maintenant. Ouais, et voilà, c'est fait, service raté de Benjamin. Voilà. Et une première finale pour...